les espérances soulevées un an plus tôt par le général de Gaulle. Que plus rien ne serait jamais comme avant. De Gaulle le savait bien. Le général de Gaulle, en quelques mots, a transformé la carte de l'Afrique. Premièrement, il a accepté que deux territoires de la communauté, le Sénégal et le Soudan, forment désormais un seul État, le Mali, trois fois grand comme la France. Deuxièmement, il a accepté que ce nouvel État devienne indépendant tout en restant dans la communauté. Le président du Conseil du Mali, M. Modibo Keïta, qui m'en a parlé. Il y a 10 ans, vous ne vous attendiez sans doute pas à vous trouver sur cette terrasse et à dominer Dakar. Oui, c'est exact. Et si on me l'avait dit, j'aurais traité mon interlocuteur de lunatique. En somme, c'est le Soudan au Sénégal maintenant. Eh bien, si vous voulez, oui. Le mariage du Soudan, en tout cas, et du Sénégal. Une nouvelle ère commence et le Mali sera encore le berceau et le cœur palpitant et nourricier de la vie politique contemporaine africaine. L'an 1946 verra la création du RDA. La Fédération du Mali sera proclamée en juin 1960 pour éclater en 2 morceaux, en août de la même année. Le Sénégal se retire. Le Mali prend acte des événements le 22 septembre 1960. Le 21 septembre, proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République soudanaise. 22 septembre, premier congrès de l'Union soudanaise RDA à Bamako, au lycée technique actuel. Après cette séance historique du congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA, l'assistance se transporta à l'Assemblée nationale, dont l'entourage était noir de monde, pour y assister à la séance qui devait consacrer juridiquement la naissance de la République du Mali. La séance est ouverte. J'ai reçu du président du Conseil de gouvernement la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à la délibération de votre Assemblée législative les projets de loi suivants. Le premier projet porte sur l'abrogation des dispositions de la loi numéro 61-RS du 7 juin 1960 concernant la ratification et la rétrocession à la Fédération du Mali des compétences transférées à la République soudanaise par la communauté en vertu des accords signés le 4 avril 1960 à Paris. Le second projet concerne la proclamation de la République du Mali, État indépendant et souverain. Le troisième projet érige l'Assemblée législative de la République soudanaise en Assemblée nationale de la République du Mali. Le même projet tend à transformer le gouvernement actuel de la République soudanaise en gouvernement provisoire de la République du Mali. Le quatrième projet a pour objet de modifier la constitution de la République soudanaise pour l'adapter à la situation nouvelle résultant de la proclamation de la République du Mali État indépendant, libre et souverain, libre de tous engagements et liens politiques. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali, une république indépendante. Absolument et totalement indépendante. Indépendant, nous le sommes à compter de ce jour. Une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA. La République soudanaise indépendante n'a fait qu'usage de son droit à l'indépendance. La réalisation de l'unité nationale sera le ferment de la mobilisation générale des populations jusqu'aux confins du Sahara. Son développement économique appelle à des sacrifices pour sortir le pays d'un possible isolement. Face à cette éventualité, il s'agissait d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste et planifiée. D'où l'affirmation de la République soudanaise sur le plan africain et international, rappellera en substance Modibo Keïta. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise.
Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. La République